Ravel un cycle qui s'appelle Les Miroirs, 5 pièces, qui sont chacune très évocatrice du titre qu'elle porte. La musique française du XXe siècle a été très axée, comme la peinture, sur l'impressionnisme, raconter une histoire à travers des sensations, à travers une émotion. C'est très flagrant chez Ravel, par exemple, dans la troisième pièce qui s'appelle Une barque sur l'océan, on a vraiment l'impression d'être sur l'eau, on sent la mer, on sent la tempête aussi qui arrive. Debussy, ce sont des pièces plus courtes, vraiment comme une impression, comme une odeur. C'est pas une histoire, c'est pas tout un tableau comme chez Ravel, c'est une sensation, un parfum, quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on voit, mais c'est juste une image, une vision. Liste donc des transcriptions de Schumann, Schubert, Mozart et Wagner. On est dans ces œuvres originales, évidemment, donc on le ressent très fort, mais ce qui est passionnant, c'est qu'on sait qu'on est aussi dans la musique de Liszt. Liszt est très présent et Liszt marque de sa patte, de sa manière d'écrire, de son ressenti de la musique, ces œuvres-là, et les sublime quelque part. C'est un mélange unique, en fait, entre les compositeurs qu'il a choisi et sa propre sensibilité.